Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. Aujourd'hui, enfin surtout hier, j'ai reçu mon super klaxon. Je sais pas si vous connaissez un peu. Ça fait du bordel de fou. Alors, je vais juste donner un petit coup histoire qu'on se rende compte. Parce qu'il y a le frérot, il fait la sieste en après-manger. Sais pas si t'entends le bazar que ça fait. Voilà, donc c'est le truc programmable avec 31 sons. Tu vois, c'est marqué là, c'est à l'envers. Où t'as le boîtier, tu peux choisir ta musique, tout ce que tu veux. Et hier, j'ai trippé, je me suis mis un petit buzzer là parce que j'avais trop envie d'appuyer. Même là, c'est un démon, je m'en vais attendre la fin de la sieste du frérot. Du coup, c'est alimenté par une batterie 12 ou 24, ils disent. Alors, c'est cool. Là, du coup, je suis en 12 volts, je sais plus. Ah oui, c'est la 12 ou 24. Et c'est tout simple, alimenté. Il y a un plus, un moins et un retour au klaxon. Alors, faut savoir que moi, ça me fait trop délirer. J'ai mon collègue Adri qui est chauffeur. Qui en a des pas. Il n'a pas ça encore, mais à mon avis, ça va pas tarder. Il a juste deux trompes et ça klaxonne déjà très fort. Bon, après, tu peux pas faire de sonorité. Mais voilà, donc moi j'ai kiffé. Ça vaut 257 euros sur Facebook, j'ai trouvé ça. C'est le vrai, du coup, c'est cool. Je me suis pas fait avoir. Ça, c'est cool pour une fois. Du coup, ça se branche à air. J'ai réussi à trouver un bout de tuyau d'air sur un châssis de 4x4 qui traîne au fond, là, de P38, que j'ai relié. Ah, mon truc que je me sers pour gonfler mes pneus d'habitude, c'est pas mon compresseur, ça c'est une cuve, enfin c'est une cuve externe que je remplis par ici avec ma soufflette. Parce que des fois, comme le dragon, quand il est posé à un endroit, et ben il faut aller le gonfler, c'est chiant. Et que je peux pas emmener mon compresseur là, parce que tu vois, genre, c'est une usine à gaz. Je l'avais déjà montré dans une vidéo. J'ai des vannes là, c'est pour éviter qu'il y ait de l'air qui soit perdu. Après, derrière, j'ai une cuve de 100 litres, une autre cuve de 100 litres en dessous. Et là, il y a mon 100 litres de base que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, après la cuve de la pelleteuse, on la reconnaît par sa couleur parce que j'en avais une petite qui a percé. Donc ça, c'est pour la partie air. Je veux avoir un truc amovible, moi, là-dessus. Donc comme ça, je vais pouvoir faire du bruit dehors parce que le frérot, hier, il m'a dit ça faisait pas assez de bruit dedans. Donc voilà, enfin, ça fait pas assez de bruit. Ça couine bien. Donc je vais y faire sur cette petite remorque. Alors, tu vois, sur ça, faut que j'adapte tout. Ça va être facile. Je vais faire un support de batterie, je pense, à l'arrière pour un peu le poids. Ouais, il y en a qui a klaxonné. Il y en a qui a klaxonné. C'est Adri qui passe, normalement. Faut juste que j'y laisse en fonction au cas où qu'il passe. Comme ça, au moins, je pourrais lui rendre l'appareil. J'ai trop envie, mais bon, le frérot il dort. Bon, je vais préparer un peu tout ça, voir comment je vais faire, chercher les petits bouts de pièces et après on revient. Bon, je l'ai mis la cabane sur le toit parce qu'il faut que j'enlève, je vais enlever ça parce que ça me fait chier. Les roues, par sécurité, je vais les redécaler là. Comme ça, il n'y aura pas de porte-à-faux et je vais essayer de les remettre droite aussi parce que là, elles font un peu lever. Tu vois. Et un peu aussi, elle écarte un peu de là-bas. Du coup, j'ai préparé 2-3 petits trucs. Ça va être mon bac à batterie bien lourd, comme ça sera cool. Ça, c'est pour fixer. Là, je vais percer un trou là. Un trou là pour fixer ces deux trucs. Là, je vais couper ici et ici pour pouvoir, on verra, incliner le machin après. Et j'avais l'interrupteur de hier, donc comme ça là. Voilà. Et je vais faire le fou. J'ai prévu des cosses à sertir. T'as vu? Ça, c'est Adrien qui va me comprendre. Voilà. Ça. La ferraille, c'est pour faire le bloc batterie et quelques bouts de fil. Donc, je vais essayer de dessouder ça. Je pense que c'est pas très bien soudé. Je vais couper ça et je reviens parce que là, à l'envers, ça va pas être facile. Je vais juste ressouder les roues. Je reviendrai pour le branchement ou pour ça déjà. Voilà. Tac. Bon. Voilà, j'ai trouvé une petite roulette et j'ai redécalé mes roues. Impeccable. Je voulais dire aussi, des fois on fait des cuts comme ça pour travailler parce que c'est quand même pas facile de tenir la caméra et de souder en même temps. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui le font ou je sais pas, ils doivent avoir plein de potes pour tenir leur machin. Bon, les roues elles sont toujours autant en vrac, mais elles sont pas au même endroit. On voit même un peu moins en vrac, mais ça en fait pas bien. Et puis elle est bien voilée celle-là. Que j'ai fait con une fois, j'étais descendu des marches avec la roulotte. Voilà. Bon. Tout ça, c'est good. Je vais redescendre ça. Ça pèse la mort. Voilà. Je redescends ça. J'enlève le casque et je reviens. Bon. J'en suis là.
Regarde, le baguette patrie, il est soudé. Les deux petites butées, ça sert pas à grand chose. Voilà. Là, du coup, ça, j'ai ressoudé un peu ça, c'était pas très bien soudé. Et là, ça sera le poste de commande. Alors, j'ai mis une petite soupape pour délirer. Et j'ai fait la tôle, du coup. La tôle, ça donne ça. Il y a les trous là, le boîtier va là en dessous. Et là, je vais mettre mon interrupteur. Du coup, elle est à 45. Enfin, 90, je sais plus. Et du coup, maintenant, il n'y a plus besoin de le porter, ce machin. Il roule tout seul. Voilà. Donc, ça commence à être de la patate. Il reste plus que les klaxons, que je leur trouve un support. Et après, ben, ça va être cool. Je vais pouvoir klaxonner sans camion. Regarde ça. Bon, c'est juste peint, donc ça brille à moitié, c'est à moitié mat. Parce que je viens juste de finir. Donc voilà, l'ossature, elle est prête. C'est tout prêt, pour le moment c'est tout noir. Je vais laisser sécher ça. Après, on va monter ça. Comme ça sera cool. Voilà. On va monter ça et après on va faire de la déco. Un petit coup. Voilà. Hey, hey. C'est Shark. Et j'ai pas fait l'autre côté encore. Du coup, de ce côté, c'est pour le nom du klaxon. Et là, on pourrait peut-être faire un thé. T'as vu? On va faire même une longue. Ouais, je tripe. Bon, on y verra mieux dehors. Il a l'air complètement déglingos, mon pauvre bonhomme. Et voilà. Bon, on se monte tout ça. Parce que c'est bien beau. Mais ça va pas se monter tout seul. Regarde, j'avais préparé un petit truc. Voilà. Peut-être ça sera pas mal comme ça. On y voit bien. Alors, normalement, j'ai à peu près préparé tous mes outils. On va faire comme ça. Je vais poser ça là. En attendant. Tac. Alors, j'ai trouvé une ferraille qui allait bien. Du coup. L'avant. Oh non, les boulons ne passent pas dans celui-là. Merde. Bon. Vous le repérez. Bon, ça va tout se casser la gueule. Je reviens, je vais essayer ça. Je vais percer ça, histoire de percer tout le long quand même. Et je reviens. Allez, j'ai percé mes trous, c'est reparti. Normalement ça passe, j'ai pas essayé, mais c'est pas grave. Ça doit le faire. Tac, un boulon et un écrou. Alors je sais pas quel c'est qui vient les deux en premier. Les boulons. Tac, impeccable. Là, ça c'est cool, ça se visse. Tu vois, pas besoin de mettre la vis dès que les trucs sont en tension. Ça va pas mal aussi. Merde, tu mets le genou dans la peinture. Bon. Alors, avec ça, pour lisser, on ne fait pas chier. Ça doit être du 13. Je vais faire comme ça. Tu vois, mais ça fait du ballon là. Ah, j'aurais pas pensé que ça fait ça. Bon, on va voir. Je vais peut-être ajouter une ferraille qui viendra de là. Ah là. Ça enlèvera le ballon parce que là, ça va pas. Et ben, je vais le faire tout de suite parce qu'en fait, sinon ça ira pas. Parce que là, je peux souder ici. Normalement, je risque pas trop d'abîmer les trucs. Mais par contre, si je soude et qu'il y a tous les fils, ça va finir comme le Robocop la dernière fois.
ceux qui ont vu sur dans la vidéo, et ben il faut changer le faisceau quand tu veux rouler, c'est normal. Donc voilà, c'est parti. Un petit coup de soudure en plus. C'est parti. On recommence. Du coup, je les avais démontés pour l'occasion. Comme ça, je suis sûr que j'ai pas de cramer le faisceau. Attends, est-ce qu'on y voit quelque chose? Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, normalement, ça devrait peut-être bien passer. Pas trop mal. Ah, merde, c'est pas beau, là. Vrai. Je me trompe. Hop. Alors, je viens juste de finir d'y peindre et d'y vernir. Du coup, voilà. C'est pas grave. Je vais pas pouvoir y serrer comme je voulais, mais ça doit le faire. Je vais le serrer à la clé, ça devrait aller aussi vite, presque. Ouais, c'est bizarre, on dirait que vis, vis moi du coup. Dommage, dommage. Les clés. Baby Shark, ça, ça klaxonne fort. Ah bah ils ont fait pareil qu'avant, avant que ma douille elle est pas trop grosse. Hein. Ah bah là ça va y tenir rigide. Ce sera bien mieux parce que la façon avec le truc qui se tient pas. Ah ça y est, c'est. Il va devoir y avoir une saleté, elle est passée. Là. Voilà, là c'est bien rigide. On peut voir que leur attache elle fait bien le travail et moi elle n'est pas posée partout et normalement ils prévoient quand même qu'elle vit. Ça c'est cool. Bien. Donc mon boîtier. Merde, avec une gratte avec les doigts noirs. Mon boîtier, je vais mettre le tas de fil ici, je pense. Et je vais voir après. J'ai déjà fixé mon boîtier. On va passer tout du même côté par là. On voit bien, tac. Alors, impeccable, ça, ça va. Ouh, mais j'avais prévu des rondelles, dis donc. Elles vont pas passer de l'autre côté, ça sert à rien. Moi aussi. Attends, tac. Avec les rondelles, c'est cool aussi. Pour une fois que j'en ai, c'est très rare. Ça. On va prendre la vis. Et ça. Hop. Ça c'est du 10, ça permettra au moins pas abîmer le boîtier, ça va être cool. Il va être bien là-dessus, Baby Shark. Merde, j'ai encore oublié la rondelle. Putain, je suis à fond. Je vais trop vite, j'ai trop envie de klaxonner. Je pense que Adri va arriver et que j'aurai pas fini. Comme ça, j'aurais pu lui rendre son coup de klaxon. Et aussi au collègue qui passe avec son TGV, enfin, je sais pas, je le connais pas, mais je l'entends de temps en temps. La dernière fois j'ai sifflé, mais je pense qu'il m'a pas entendu. Là normalement, si je suis pas trop loin, ça va le faire. Tac. Voilà pour ça. Du coup j'ai mes fils qui sortent ici. Et ma batterie est de l'autre côté que j'ai pas mis encore. Ça, il faudrait accrocher ça. Bon, je vais placer tous les fils, les accrocher. Là, c'est encore chaud. Voilà, ça attaque de donner ça. Je vais faire une petite pause. Et je reviens. Waouh, ça a une tête complètement con. Du coup, là, j'ai rangé tout mon faisceau en dessous. C'est nickel, ça se voit pas. Pas trop. Là, je vais avoir mon interrupteur ici. Alors, c'est assez simple. Il y a le plus, le moins en noir. Et en gris, c'est pour le déclencher. C'est le retour à la masse, quoi. Donc, pour faire propre, je vais faire passer mon fil de là à là. Et j'en ferai revenir un jusqu'à lui. Et voilà. Non, jusqu'à la masse. Et oui, jusqu'à la masse. Donc, voilà. Je dis des conneries un peu. Il va falloir jouer comment faire. Voilà. Mais je vais y arriver.
Regarde. Ah bon? La batterie. Du coup, refill, ils partent là. Attends, je vais changer de côté. Ça part là. Il y a le plus et le moins. Le moins en noir et le plus en bleu et rouge. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc là, du coup, je les ai branchés sur les bonnes polarités. Mince. Le bleu et rouge avec le rouge. Le noir avec le noir. Et alors, les deux qui ont le zébré, il y en a un qui va avec le gris et l'autre avec le noir. Du coup, il passe là en dessous et il se retrouve à mon interrupteur qui est là. Alors, pour le moment, je pourrais brancher la batterie et appuyer, mais eh ben, il faut de l'air. Donc, je vais essayer de faire passer un tuyau d'air pas trop dégueulasse, je sais pas où. Et voilà, je reviens. Bon, j'en étais là. Regarde, c'est facile comme ça en vidéo. Avec des cuts, on y passe moins de temps. Là, merde. Normalement, il est branché. Je laisse ça. Il passe là. Il revient ici. Là. Du coup, j'ai rebranché mon tuyau d'air qui est fait exprès pour gonfler le dragon. Donc, lui, je vais le foutre au pire comme ça sera bien joué. Maintenant, je peux faire même mieux comme ça. Voilà. Alors, ça fait un petit bordel. Là, j'ai mes fils. Je les ai tous raccrochés. Comme on peut voir, ils font le tour. Voilà. Ça, c'est un peu tendu, mais ça va. On va voir si ça marche. Normalement, ça devrait marcher. Ah, j'ai mis le fil à l'envers. Ah, quel con. Bon. Ouf, ça va le faire. Si c'est cette batterie. Bon, je vais modifier ça après parce que ça ne me va pas. Là, le truc, il faudrait qu'il sorte vers le haut. Lui, c'est pas grave, mais l'autre, c'est grave. Donc voilà, théoriquement, là, je devrais avoir mon affichage. On n'y voit pas. 3, 2. Alors, on va mettre 4. C'est Pirates des Caraïbes. Et le bouton. Ah. Ah oui. Et oui. Et alors, du coup, on entend. Donc là, c'est que ça fonctionne. Et c'est que j'avais juste oublié d'ouvrir là. Donc faut pas trop l'ouvrir là-dessus, puisque vu que c'est une bonbonne de gaz voiture. Alors c'est un peu la galère c'est un peu la galère la bonbonne de gaz voiture à vider. Parce qu'il y a plein de sécurité. Mais une fois que c'est bon, ça fait une super réserve d'air. Alors je vous invite pas à le faire du tout. Hein, c'est super dangereux, c'est délicat. Si vous y connaissez pas, faites-le pas. Regarde, et là. Ça marche pas là. Bon voilà, ça hurle toujours aussi fort. Moi ça me fait bien rire. Je vais aller mettre la caméra à un endroit là-bas là, et j'essaierai de klaxonner mais de loin. Donc voilà, je reviens. Bon, tu m'énerves la GoPro. Elle a bugué, alors je sais pas si j'ai klaxonné ou pas. Du coup, ben, je vais en mettre juste un petit coup parce que je vais pas faire chier trop les voisins non plus. On en mettra des petits coups un peu plus fort tout à l'heure quand elle va arriver. Tu vois? Ça marche nickel. Je vais isoler ça. Je vais refaire un petit truc que je viens de penser, aussi pour accrocher mon câble comme ça, clac. Et après, voilà, je reviens. Bon, je vais me lever peut-être. Regarde ce que ça donne. C'est un peu débile comme histoire, mais c'est pas mal. Alors si tu vas gonfler tes pneus, t'as l'embout. Il y a juste à avoir la soufflette, mais je ne l'ai pas parce qu'on s'en sert pour autre chose. Du coup, j'ai mis des petits serflex, là on le voit bien dehors, là c'est cool. Ça fait une petite roulotte qui se déplace bien d'ailleurs. Parce qu'elle tourne devant et qu'elle a les roues derrière. Ça, c'est de la balle. Et alors, du coup, moi pour attendre Adri, enfin non, je ne vais pas l'attendre. Je vais mettre quel son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Bon, on s'en fout. Voilà, alors rien. Ça c'est le repose-bière. Donc, voilà. Nickel. Et après, tu te mets comme ça, tranquille. Et puis, t'attends qu'il n'y ait pas de bruit. Attention les oreilles, pas que tout. Enlève-toi, tu vas plus rien entendre. Voilà. Non, pas le ballon, pas tout de suite, pas tout de suite. Regarde. Et là, je te garantis que j'ose même pas la faire entière parce que je vais me faire engueuler. Enfin. C'est de la balle. Et il y a les multisons, mais si je le fais aujourd'hui, je
Je vais me faire engueuler, ça fait trop de bruit. Je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler. Mais il fallait pas que j'achète ça. Il fallait vraiment pas que j'achète ça. Bon, si vous avez kiffé le petit multison, en plus, il y a le gamin qui arrive, donc on va essayer de pas lui péter les oreilles. Si vous avez kiffé le multison, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo, ou à vous abonner, ou à mettre un commentaire, ou à mettre un like. Et voilà, tchuss, les amis, à la prochaine. On se retrouve dans une autre vidéo. Bon, du coup, hier, eh ben, j'ai pas fait assez de bruit, je me rends compte dans la vidéo. Alors, regarde, on va en faire. C'est pas un souci. Tac, 2. C'est pas bon ça? Non mais son bordel. Voilà. En réel. En réel.